gens d'ici, gens d'ailleurs, et particulièrement pour la famille de Danny Dastou, dont nous célébrons le premier anniversaire de décès, soyez toutes et tous les bienvenus à cette célébration dans le cadre de la 149e neuvaine à Sainte-Anne. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, et la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Comme un vrai berger, le Seigneur nous aime d'un amour inépuisable. Il nous rassemble et nous fait reposer sur des prés d'herbes fraîches, invoquant sa miséricorde pour nos égarements.
sois favorable à tes fidèles, Seigneur, et dans ta bonté, multiplie pour eux les dons de ta grâce, afin que, brûlant de charité, de foi et d'espérance, ils soient toujours vigilants pour garder tes commandements. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir. Lecture du livre du prophète Jérémie. Quel malheur pour vous, pasteurs! Vous laissez périr et vous dispersez les brebis de mon pâturage, oracle du Seigneur. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël, contre les pasteurs qui conduisent mon peuple. Vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassées, et vous ne vous êtes pas occupés d'elles. Eh bien, je vais m'occuper de vous, à cause de la malice de vos actes, oracle du Seigneur. Puis, je rassemblerai moi-même le reste de mes brebis, de tous les pays où je les ai chassées. Je les ramènerai dans leur enclos. Elles seront fécondes et se multiplieront. Je susciterai pour elles des pasteurs qui les conduiront. Elles ne seront plus apeurées ni effrayées, et aucune ne sera perdue, oracle du Seigneur. Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où je susciterai pour David un germe juste. Il régnera en vrai roi, il agira avec intelligence, il exercera dans le pays le droit et la justice. En ces jours-là, Juda sera sauvé et Israël habitera en sécurité. Voici le nom qu'on lui donnera. Le Seigneur est notre justice. Parole du Seigneur. Thank you.
Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, maintenant, dans le Christ Jésus, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang du Christ. C'est lui, le Christ, qui est notre paix. Des deux, le juif et le païen, il a fait une seule réalité. Par sa chair crucifiée, il a détruit ce qui les séparait, le mur de la haine. Il a supprimé les prescriptions juridiques de la loi de Moïse. Ainsi, à partir des deux, le juif et le païen, il a voulu créer en lui un seul homme nouveau en faisant la paix et réconcilier avec Dieu les uns et les autres en un seul corps par le moyen de la croix. En sa personne, il a tué la haine. Il est venu annoncer la bonne nouvelle de la paix pour vous qui étiez loin, la paix pour ceux qui étaient proches. Par lui, en effet, les uns et les autres, nous avons dans un seul esprit accès auprès du Père. Parole du Seigneur. De la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, après leur première mission, les apôtres se réunirent auprès de Jésus et lui annoncèrent tout ce qu'ils avaient fait et enseigné. Il leur dit : Venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. De fait, ceux qui arrivaient et ceux qui partaient étaient nombreux, et l'on n'avait même pas le temps de manger. Alors, ils partirent en barque pour un endroit désert à l'écart. Les gens les virent s'éloigner, et beaucoup comprirent leur intention. Alors, à pied, de toutes les villes, ils coururent là-bas, et arrivèrent avant eux. En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de compassion envers eux, parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors, il se mit à les enseigner longuement. Acclamons la parole de Dieu. À chaque rencontre. Dieu nous précède dans toutes ces rencontres. Il se met à notre niveau. Il dialogue, même avec l'opposition. Il n'est pas arrêté par la haine. Et aujourd'hui, à l'invitation de l'Écriture,
Il veut prendre soin de ses disciples. Comme je l'ai fait les autres jours, arrêtons-nous à un extrait de la parole de Dieu. Voyons dans la vie de Sainte Anne et de la Sainte Famille le reflet de cette parole et une histoire de famille pour vous aider à vivre la parole. Venez à l'écart, dit Jésus. Reposez-vous un peu. C'est le temps des vacances. Pourquoi Dieu ne pourrait pas parler durant ce temps-là? Se donner à rencontrer? Voyons un peu le contexte dans lequel ça arrive, dans l'Évangile de ce jour. Et profitons de ce temps dans la création. Si Dieu revêt l'herbe des champs d'un tel vêtement et que demain tout cela va se faner, combien plus Dieu veut s'occuper, prendre soin de chacun de nous. Et vous le savez, vous qui avez une longue expérience de vie, quand nous ne prenons pas le repos nécessaire, le corps se détraque. Dieu a bien fait son œuvre. Voyons le contexte d'aujourd'hui. Les 12 apôtres ont été envoyés en mission par Jésus, 2 par 2. Et là, ils reviennent. Curieusement, dès leur retour de mission, la première chose que Jésus leur propose, c'est de prendre une distance. Venez à l'écart. Si l'on se souvient de cette journée évangélique de Jésus, cette journée à Capharnaüm, il a abondamment enseigné, guéri des malades, chassé les démons. Et tout de suite après, il a pris une distance. Marc notait, au début de son évangile, « Le lendemain, Jésus se leva bien avant l'aube, il sortit et se rendit dans un endroit désert, et là, il priait. » Comme quoi la prière peut être une bonne manière de se reposer, comme on fait chaque dimanche. La messe en est une activité de prière. Le lendemain, Marc note à nouveau la prière. Et dans le texte d'aujourd'hui, à 2 reprises, Jésus invite ses apôtres à se retirer, se reposer, parce que, entre-temps, il y a la foule qui les suit partout. Une pause est nécessaire. La foule suit, même s'impose, et avec elle s'impose la mission. Dans son évangile, Marc insiste souvent sur cette présence de la foule qui poursuit Jésus partout. Par exemple, lors de l'appel de Matthieu, toute la foule venait à lui et il les enseignait. Puis, pour introduire le discours en parabole, Jésus se met à enseigner de nouveau au bord de la mer de Galilée. La foule est si nombreuse qu'il doit embarquer sur un bateau, prendre une distance pour qu'il ne soit pas pris par la foule. Ou encore à Génézareth, l'autre côté du lac. Dans tous les endroits où il se rendait, dans les villages, les villes et les campagnes, où on déposait les infirmes sur les places, il le suppliait de leur laisser toucher ne serait-ce que la frange de son manteau, et tous ceux qui la touchèrent étaient sauvés. Notez bien, sauvés, pas toujours guéris. C'est encore plus grand sauvé. La guérison n'est que un reflet extérieur de ce qui arrive plus intérieurement. Marc insiste.
Cette foule ne vient pas seulement de Galilée, elle vient de partout. Jésus se retira avec ses disciples, près de la mer, et une grande multitude de gens venus de la Galilée le suivirent, de Judée, de Jérusalem, d'Idumée, de Transjordanie, de la région de Tyr et de Sidon. On pourrait dire qu'en été, les gens débarquent vers Rimouski, en vacances, sur le bord du fleuve, prendre le temps du repos. Et ses disciples tiennent la barque pour que Jésus annonce l'Évangile. Jésus insiste et va prendre soin de toute cette foule. Il va accomplir la multiplication des pains. En ces jours-là, comme il y avait de nouveau une grande foule, que les gens n'avaient rien à manger, Jésus appelle à lui ses disciples et leur dit « J'ai de la compassion pour cette foule, car depuis 3 jours déjà, ils restent auprès de moi et n'ont rien mangé. Si je les renvoie chez eux, à jeun, ils vont défaillir en chemin. Certains d'entre eux sont venus de loin. » C'est ce qui se passe aujourd'hui. La foule poursuit le groupe de Jésus, et quand il débarque de l'autre côté du lac, la foule est à nouveau là. 5 000 hommes. Il y a du monde. Et là, il y a des mots très importants à retenir. Il se mit à les enseigner longuement, mais il fut aussi pris de compassion. Les mots, aussi bien dans le grec que dans la langue hébraïque, c'est comme si on disait « avec des entrailles de miséricorde ». Ça dit l'amour de Jésus pour le peuple de Dieu. Et dans le contexte d'aujourd'hui, en faisant référence à d'autres lectures que nous avons entendues, le prophète Jérémie, justement, critique les pasteurs qui n'ont pas pris soin du peuple de Dieu. Ce n'est pas le cas de Jésus. Il est le bon pasteur. Il est le Messie, celui qui prend soin. Qui prend soin parce qu'il a des entrailles de miséricorde. C'est ce que Jésus veut faire avec nous. Il veut nous apporter consolation de l'âme. Peut-être aussi guérison du corps, mais dans tous les cas de figure, le salut éternel. Le salut. L'accès à l'éternité. C'est plus que la durée d'une vie, ça. Vous qui êtes venus ce matin, si je vous posais la question, votre identité profonde, votre âme, elle vaut combien? Avez-vous conscience de l'extraordinaire privilège que vous avez, non seulement du don de la vie, mais plus encore que Dieu habite en vous? L'éternité est déjà présente en vous. Vous les baptisez de Dieu. Quand on fait le signe de la croix, le Père, le Fils et l'Esprit Saint, nous redisons sur notre corps que nous sommes habités par Dieu, que en Jésus-Christ s'est révélé en 3 personnes, parfaitement unies. Ils habitent en nous. Pardonnez mon expression, un peu cavalière, direz-vous. Il n'y a personne ici qui est de la scrap. Nous avons une valeur d'éternité. Et c'est ce qui fait souvent la jalousie des mauvais anges. Comment Dieu peut-il s'intéresser à de pauvres êtres humains qui le laissent tomber si souvent? Ben justement, il y a Dieu en nous. Dans l'histoire de la Sainte Famille, Anne,
Joachim, après eux, Joseph, Marie, Jésus. Vous vous rappelez que Joseph et Marie se sont installés à Nazareth, sur une propriété qui devait appartenir à Joachim. Et Marie avait Jésus en elle. Et voilà qu'il y a un empereur qui faisait sentir son pouvoir. Joseph a dû prendre le chemin de Bethléem avec Marie sur un arbre. Comme tant de familles d'aujourd'hui, dans les bouleversements que ça suppose. Combien d'entre vous doivent partir au loin pour gagner la pitance, que ce soit sur le fleuve ou l'autre côté du fleuve ou plus loin, au nord. Pas facile d'éduquer des enfants aujourd'hui. Considérez que, aussi bien du côté de Joachim ou de Anne, ou de Joseph et Marie, eux aussi ont connu leur épreuve. Et ils ont tenu bon dans la foi. Un événement tragique. Vous vous souvenez que Joseph, heureusement qu'il écoutait Dieu, et en songe, il a compris que la vie de son fils était en danger. Il a fui en Égypte avec Marie et l'enfant. Parce que l'empereur, ou plutôt le chef Hérode, faisait exterminer tous les enfants en bas âge. Dans notre contexte d'aujourd'hui, d'autres épreuves touchant la vie des enfants. J'aimerais évoquer un seul exemple dans ma vie de famille pour vous témoigner de la foi qui est mienne avec les miens et exciter la foi de la vôtre. Il m'a été donné comme prêtre de célébrer beaucoup de funérailles dans ma vie. Ça fait partie de notre ministère et c'est un ministère de vie. J'ai, entre autres, célébré les funérailles de mon grand-père Isaac. L'époux de ma grand-mère, Mélie, Amélie de son vrai nom. Et à ce moment-là, des membres de la famille m'ont conté toutes sortes d'histoires au sujet de mon grand-père, dont celle-ci. C'était un pêcheur. Un de mes oncles me raconta qu'un bon matin, alors qu'ils étaient à bonne distance de la maison, ils pêchaient dans un endroit aux îles qui s'appelle la Chègue, à plusieurs kilomètres, dans les dunes. Ils étaient plus proches de l'endroit pour pêcher, parce qu'à cette époque, on devait pousser les bateaux, les bottes qu'on appelle, à bout de bras, au large. Et ce matin-là, mon oncle a vu mon grand-père sortir de grand matin au soleil levant. Pensant qu'il allait se soulager, il le suivit pour faire pareil. Quelle fut sa surprise de le voir monter sur un des buttereaux. Il y avait un grand vent ce matin-là. Et il a vu mon grand-père faire un grand signe de croix. À son retour à la cabane de pêche, mon oncle, pour s'assurer de ce que mon grand-père avait fait, s'est interrogé et lui a posé la question « Qu'est-ce qu'il est allé faire, mon grand-père ?» Et celui-ci devait répondre « J'étais faire ma prière. J'ai dit au Seigneur, au Créateur, si tu veux que je gagne le pain de la famille,
fais tomber le vin. Ce matin-là, ils ne sont pas sortis à 6 heures du matin, ni à 5 heures, mais aux environs de 9 h 30, 10 heures. Le vent était tombé. Et je vous dis, la pêche fut très, très bonne. Priez avec un cœur sincère. Comme pour maintenant, quelles sont vraiment les vraies demandes que vous avez à faire au Seigneur pour le bien de votre famille, le bien de votre âme, votre salut éternel? Demandez, vous obtiendrez. Comme maintenant. Amen. Professons notre foi en Dieu Père, Fils et Esprit Saint. Je crois en Dieu. Père puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, aimé de la Vierge Marie, en souffrance contre la mort, a été crucifié, est mort et est enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour. Montez aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En toute confiance, adressons nos supplications à Dieu, notre Père et notre Berger, pour le monde, pour l'Église et pour nous-mêmes. Après chaque intention, nous répondrons, Seigneur, entends nos prières montées vers toi. Pour l'Église, afin qu'à l'exemple du Christ, vrai Berger, elle sache rassembler ce qui est dispersé et apaiser les cœurs troublés, prions le Seigneur. Seigneur, entends nos prières montées vers toi. Pour les personnes diversement engagées en Église, qui profitent actuellement de la pause estivale, afin que ce moment leur soit agréable et reposant, prions le Seigneur. Seigneur, entends nos prières montées. Pour les travailleuses et travailleurs saisonniers, qui œuvrent sans relâche dans les champs, afin que leur soient accordés des temps de repos bienfaisants, prions le Seigneur. Seigneur, entends nos prières. Pour les familles qui profitent en ce moment des vacances et pour les gens de passage chez nous à l'occasion de l'été, afin que ces jours de congé soient heureux et paisibles, prions le Seigneur. Pour nos communautés chrétiennes, afin qu'elles soient des lieux sécuritaires et des espaces de paix, d'accueil et d'écoute, prions le Seigneur. Seigneur, entends nos prières.
Dieu notre Père, tu nous as rassemblés pour écouter, pour l'écoute de la parole et pour le repas eucharistique. En te présentant nos intentions, nous te confions toutes les personnes que tu aimes. Exauce-nous et donne à notre temps la grâce de la paix par le Christ notre Seigneur. Amen. J'invite à présent Félix Mallette à apporter à l'autel la corbeille des intentions des pèlerins. Veuillez vous asseoir. Seigneur Dieu, dans le sacrifice unique et parfait de ton Fils, tu as porté à leur achèvement les multiples sacrifices de l'ancienne loi.
Reçois maintenant le sacrifice offert par tes fidèles serviteurs et sanctifie-le comme tu as béni les présents d'Abel. Que les dons offerts par chacun pour honorer ta gloire servent au salut de tous par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Dans le mystère de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse. Car nous étions esclaves de la mort et du péché. Et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ses noms glorieux, nation sainte, peuple racheté, race choisie, sacerdoce royal. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, toi qui nous fais passer des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous. Par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit-Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils,
Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, les bienheureuses Vierges Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, glorieux martyrs, et tous les saints, Saint-Anne, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étant au monde entier le salut et la paix, affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, à la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Denis, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté, écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi, et dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour toutes ces personnes qui ont quitté ce monde, aujourd'hui, nous présentons feu Louis Bill Boulanger, feu Daniel et Solange Ruet, feu l'abbé Florent Raymond, les âmes du purgatoire. Qu'ils trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume.
avec tous les saints, saint Antoine et tous les autres. Avec eux, nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce, tout bien. Nous te recommandons également Dani d'Asto. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps, donne la paix à nos cœurs, à nos familles. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Sœurs et frères, échangeons entre nous un signe de la paix du Christ. Se rendront à l'arrière de l'église et pour ce faire, nous vous demandons d'attendre qu'ils soient rendus à l'arrière avant de circuler. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je suis pas digne de recevoir.
Prions encore le Seigneur. Dans ta bienveillance, reste auprès de ton peuple, nous t'en prions, Seigneur. Puisque tu l'as initié au sacrement du ciel, fais-le passer de ce qui est ancien à la vie nouvelle, par le Christ notre Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir. Les personnes qui se sont procurées des objets de piété avant la célébration, je vous invite à les prendre dans vos mains. L'abbé Jean-Baptiste va les bénir. Dieu notre Père, toi qui es la source de toute bénédiction, nous te prions de bénir et de sanctifier tous ces objets de piété. Par les mérites de cette Eucharistie et la prière de Sainte Anne, accorde à tous ceux qui s'en serviront la joie d'être exaucés dans leur juste demande par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Et maintenant, je vais circuler dans le sanctuaire pour la vénération de la relique de Sainte Anne. Thank you.
permettez-moi d'adresser quelques remerciements. Merci, Abbé Jean-Baptiste, d'avoir présidé notre célébration. Merci, Abbé Laval Gauvin, Adrien Tremblay, d'être parmi nous. Merci, Clément, mon confrère, d'être là avec nous. Évidemment, merci au Père Mario Doyle qui nous a entretenus et enseignés sur la parole de Dieu ce matin. Merci, Mario. Merci à toi, Geneviève Landry, pour avoir proclamé la parole de Dieu. Merci, Francine, accompagnée de Simon, pour les chants qui nous ont élevés un peu vers le ciel. Merci. Merci à toi, Félix, d'avoir présenté la corbeille des intentions. Merci également à tous ceux et celles qui, sans leur bénévolat, cette novène ne pourrait être réussie. Merci à toi, Marcelo, d'avoir fait la captation de notre célébration qui sera diffusée demain sur le site de la paroisse Élisabeth Turgeon sur YouTube. Vous mettez paroisse Élisabeth Turgeon et vous aurez. Marcelo me dit qu'il va le faire aujourd'hui. Merci à vous tous. Levons-nous maintenant pour recevoir la bénédiction et l'envoi final. Avant de terminer, je voudrais dire merci à Michel. Merci. Plaisir. On peut dire merci à Michel, s'il vous plaît. Depuis plusieurs années, il est vraiment impliqué dans l'organisation de cette nouvelle. Que le Seigneur renouvelle tes forces. Merci à chacun et à chacune de vous pour votre belle participation. On a beau organiser, si vous n'êtes pas là, merci à vous. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Sœurs et frères, nous sommes envoyés. Allons dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous rappelle que cet après-midi à 14h, il y a la célébration de l'onction des malades. Donc s'il y a des gens dans vos familles qui ont besoin de support, ils seront accueillis. Merci.